céleste, auteur de la vie, dans ton don excellent, parfait. Une deux jamais égalée, on ne te verra pas, toi la roue de Sharon. L'étoile brillante du matin, les grands Elohim. Nous prions que toi seul puisses alors prendre l'abondance en ce matin. Nous consacrons cette réunion entre ta main. Que tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie puisse simplement être mis hors d'état de lui au nom de Jésus-Christ. Et que le ciel se réveille sur la terre, ô Dieu, tu as dit que la chair, c'est le très saint. Alors nous prions que la gloire de la Shekinah, la colonne de feu, puisse descendre ici pour oindre ton serviteur, pour oindre l'interprète, pour oindre l'auditoire visible et invisible, pour prendre tout esprit sous contrôle, afin que nous ayons une réunion agréable, sans sommeil ni somnolence au Père. Nous jetons tout cela hors de ta lui, au nom de Jésus-Christ. Que seul l'Éternel des armées puisse régner en ces lieux et prendre chaque âme sous contrôle, ô Dieu de gloire. Que nous soyons tous dans l'expectatif ce matin, afin que nous ne sortions pas tel que nous étions rentrés, mais qu'il y ait un changement en nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Amen. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste. Dieu éprouvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore quoi qu'il est mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il y a un autre Père, notre Dieu,
Ta parole vient d'être lue, ô Dieu, l'interprétation haute, ne réservée qu'à toi, Père éternel. Tu nous as apporté le message don de la fin pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament, Père éternel, que ta main soit bénie. Alors lorsque l'Ancien aura des gloires, le Saint-Esprit, la parole de feu, qui a marché avec notre prophète, puisse au roi des gloires être avec nous aujourd'hui. Pour me rendre simplement mes cartes de chemin, que je ne parle pas, mais que le Saint-Esprit puisse parler ce matin. Que cela soit ainsi, ô Dieu de gloire. Ceux qui sont encore en chemin, en route, entre ta main. Il est écrit, les pas de juste sont amenés par toi, ô Dieu Tout-Puissant. Ainsi ordonne les pas des enfants qui ne sont pas encore en ce lieu. Père, si c'est une fatigue, éloigne la fatigue. Car il y a encore le moment pour eux de venir à la hâte, pour venir communier ensemble avec leurs frères. Parce qu'il est écrit qu'il est doux et agréable pour le frère, c'est de gloire de demeurer ensemble, Père. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête de Aaron jusqu'au bord de ses vêtements. C'est là que tu réponds la vie pour l'éternité. Amen. Est-ce que, ô Dieu, la vie qui est répondue au travers de ta parole puisse être répondue ce matin dans notre cœur? Et qu'en sortant de ce lieu, Père, que nous sortons avec toi le baptême du Saint-Esprit, le feu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir, bénis la monde. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de nous en bouquer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais encore répéter parce que l'acceptation au nom du Seigneur n'a pas été bien reçue. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à peu près. Je répète encore. Je vous salue pas au nom du pasteur Intel ou du monsieur le président, je ne sais pas, d'Emmanuel Macron. Vous devez considérer ça. Donc je vais encore répéter. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Il est le roi de roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le puissant tempérant. Il est le pont de nos âmes. Il mérite la gloire, l'élévation parce qu'il est Dieu. Il est le créateur de tout homme, de toutes les créatures. Personne n'est venu sur la terre au hasard. Mais tout celui qui a posé ses pieds sur la terre l'a posé parce que Dieu l'a voulu qu'il les pose. On a dit que c'est la grâce de Dieu qui nous a amenés ici. Il y a des gens, le même jour que vous êtes nés à l'hôpital, mais qui n'ont jamais vu le lever du soleil. On les a appelés les morts nés. Et toi, tu fus appelé un né et un vivant. Alors que les autres ont été appelés morts nés, on les a enterrés le même jour que toi tu es né. Ça, c'est pour simplement dire que Dieu a tenu bon, a voulu que toi et moi nous soyons là sur la terre. Même quand ton père a déposé la semence dans le sein de ta mère, il y a eu beaucoup de tétards ou de semences, de millions et des millions. Il a fait la course pour atteindre le ville. Et parmi ces millions de tétards, un seul devait affronter le ville pour qu'un homme puisse se mettre. Et celui qui devait affronter le ville devait être le victorieux. Et il devait l'affronter par la grâce de Dieu. Et celui qui a affronté le vide, c'est toi. C'est moi. C'est par élection que nous sommes venus ici. Dieu nous a vu avec la fondation du monde. Et il a voulu que tu sois ici. Païen ou chrétien. Tout a été prédestiné par Dieu. Alors Dieu a donné la force à ta
semence et d'être plus rapide que les autres. Cette étoile, en plus, nous n'acceptons pas
Seigneur, vous présentez William Branham. Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur? Est-ce que la foi vient par lui? Allez, je fais pâte. Donc il avait que c'était toi. Il dit que c'était toi. Que tu as fait dans ma main. Sans les sept messagers. Pour les sept églises. Quand je parlerai de Branham, je viendrai plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et nous avons vu que la foi qui avait été perdue, autour des âges, que Jésus-Christ, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise. Sans les efforts là.
Alléluia. Tu attends Jésus. Ce que tu as besoin, c'est la foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement vient du message de prière par le Père. Si tu veux écouter, n'écoute pas maman au lac. Alléluia. Ni maman au couche. Ni Marcelo. Même s'il parle bien le français, ce n'est pas le français qui donne la foi de l'enlèvement. Fais du bien. Amen. Si tu es sérieux, avec toi-même, quand j'entends le sang, une fois, deux fois, tu sauras qu'il y a un autre sang. Amen. Parce qu'on n'a pas les mêmes locales. On parle de Jésus d'une autre manière. C'est-à-dire la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, toi, le véritable Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé ça. Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, quand il a envoyé, aujourd'hui, Jésus a envoyé qui? Parce que la vie éternelle, on ne veut pas à celui que Jésus envoie. Comme la vie éternelle, on ne sait pas du messager que Jésus a envoyé. Appelé au criant pour Marion, acclamé le Seigneur. Amen. La préparation de Dieu. Il n'a pas de vous avez commencé à faire Amen. La préparation de Dieu, prêchez-nous. Le 53. Moïse, allons
faire l'invasion. Comme c'est ridicule. Voilà. Parce qu'il va y aller avec un bâton. En Égypte, qui était la plus grande puissance mondiale. Ils sont déjà. Ils ont un héros puissant. Mais la terre est en train de fuir. Donc, quand on parle de Pharaon. Amen. Regardez, nous les enfants de Dieu, nous souffrons parce que nous connaissons pas nos privilèges. Mais tu sais, Amen.
mais en puissance. Parce qu'il ne réglera pas seul. Il va prendre un secours. Et Jésus dit, le cas de cet homme-là, de cette femme-là, deviendra tout. Dieu a mis et a placé toutes choses sur la base de l'action. Santé, ma vie, c'est moi qui a tout placé dans le monde de la foi. Ça veut dire que sans la foi, on ne peut pas être la guerre. Parce que quelqu'un qui est qui chape ses plaintes, ah, Mounia, ah, Mounia, ah, Mounia, ah, Mounia, ah, Mounia, ah, Béchaï, ah, oh, nous n'avons pas la foi. Bien que venez qui vient. Amen. On acclame le Seigneur pour la foi. La foi ne ressemble jamais. La foi est toujours positive. Moïse, alors fais la patience. Moi, c'est la voie de Baka Yalaka. Oh, comme c'est ridicule. Mais s'il avait fait, pourquoi je l'avais dit, c'est ça la différence. Amen. Entre quand tu vas le faire et quand je te dis de le faire. Amen. Quand tu vas faire, je veux regarder. Mais quand Dieu t'a dit, c'est ça qui fait la différence. Je ne peux pas rater. Parce que Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Dieu confirme sa parole. Amen. Pas ta parole. Pas ma parole. Mais sa parole à nous. Ne peut pas laisser la terre passer. Mais sa parole. Je reste sur ce qu'il a dit. Amen. Aussi une fois. Si tu es mort. Si tu es mort. C'est ça. On appelle ça comment? La fin du monde. C'est ça la fin du monde. Donc toi c'est le mort. Gagnez. Hein? Toi tu es un homme, tu es le mort. Maintenant pourquoi on dit que non? Quand tu meurs, c'est ça la fin du monde. Il y a les morts, il y a les habitants qui vivent. Amen. Le monde, c'est le cosmos. Merci. Il y a un système. Merci. Amen. Amen. Quand tu meurs, ce n'est pas fini. Il y a même un Amen. Amen. Ça, ça ne produit pas la foi. Nous voulons ce que tu as dit dans sa parole. Amen. C'est ça la différence. Je l'ai dit. Maintenant, quand tu dans ta main ce soir, qu'est-ce que tu as en main ce soir? Oh non, Dieu ne m'aimait pas. Qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Tu vois les arachides? Comment tu veux que Dieu te bénisse? Au moment où tu ne fais rien, ça se juste. Amen, amen. Oui. Tu vois même pas les arachides. Oh non, j'ai la foi. J'ai la foi. Dieu ne veut pas. Mais il va te bénir en toi. Comment va te bénir? Non, tu n'as que pour ça qu'on a dit. Quand tu t'en perds, il est là. Dans ta main, tu peux gagner. Amen. Maintenant, quand tu vois les arachides, tu vois les plats. Tout ce que tu vois, non, tu ne payes même pas les 1%. C'est pas la belle à dire. Comment tu vas te bénir? Vraiment. Parce que Dieu tient ça. Amen. Dieu tient sa parole. Et Dieu confirme sa parole. Amen. Amen. Dieu a des principes et des lois. Il ne peut te prendre un zéro. Et te faire femme de fait. Femme d'affaires. Amen. Femme d'affaires. Qui tient le million? Mais qui a commencé par rien? Qui a été sérieux dans ce lieu-là? Et Dieu est en train de lever. Mais toi, tu ne vis pas Dieu. Mais comment tu vas te bénir? Quelle que soit ta foi, tu as gagné. Ça ne marchera jamais. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. Amen. Je crois qu'il te bénira. Il te bénira jamais.
Tu es béni. Abraham. Quand Abraham est dans sa patrie. Je te bénis. Quand tu es dans ta patrie. Dans ta patrie, c'est la parole du Seigneur. Je ne bénis pas. Si tu es caillé, on va te bénir. Tu as commencé là-bas. Je ne sais pas où tu es parti là-bas. Mais ce que tu as à moi, Nazaré, tu es une fille. Fils de Dieu. Il ne peut pas te bénir. Oh, la parole. Mais tu as un pied dedans. Tu vois ça comment? Amen. Amen. J'attends le mariage. Je vais me marier. Nous mais en même temps, tu as un pied dedans. Tu as un pied dedans. Dors là. Dors là. J'attends le mariage. Tu vois ça comment? Un frère. Un frère. Un frère. Un voyez-vous, Dieu bénit l'homme et la femme quand ces derniers sont assis dans sa parole. La bénédiction, c'est la parole de Dieu. La bénédiction, c'est Jésus. Quand vous êtes en Christ, vous êtes béni. Est-ce que c'est bon? Un foyer, toujours tiraillement. Qu'on se tient là, soit à dire, qu'on se tient là, qu'on se tient là, qu'on se tient là, qu'on se tient là. Alléluia. Comment? Qu'on et on tire ici, il y a des pédagogies là, tire là, pédagogies là, soit tous les jours, sans qu'il y ait des problèmes sur le bébé. Soit les deux peuples que vous avez des problèmes. Là où il y a des gens qui ont des problèmes, mais comment chez vous, c'est tous les jours qu'il y a des problèmes. L'Esprit de Dieu dans votre maison, mais vous serez bénis comment? Il ne faut que le couple soit en harmonie. Même quand il y a un rien, nous devons être en harmonie. L'atmosphère réjouit Dieu et il vous bénit. Dieu ne bénit pas les gens sans le désordre. Parce qu'il sera encore désordonné. Dieu bénit les gens qui sont dans l'ordre. Un couple dans l'ordre. Un couple qui s'entend. Même quand il y a l'argent, il s'entend. Je veux comment gérer les affaires. Il respecte la parole. Il respecte la dîme et l'offrande. Comme ça, c'est droit. Je le bénis. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Amen. Amen. C'est ça la différence. Si je l'ai dit. Maintenant, quand tu es dans ta main, parce que Moïse avait un bâton, toi tu as pauvre. Tu laisses là monter la dame. Quand tes dames ont dit le marché, que tu as fait le marché, et puis c'est fini. Alors que dans ta vie là-bas, les gens passent là, je peux mettre une table. Amen. Hein? Et vous aussi qui vous travaillez, qui vous travaillez là, ou qui travaillez là, qui vous a dit quand vous travaillez, tu ne peux pas faire une petite activité. Tu penses que dans cette religion. Amen. Non, monsieur. Amen. Non, monsieur. 300 000. Ou 400 000. Ou 400 000. Bon, tu n'attends que ça. Tu n'attends que ça. Et prenez mon Dieu béni. Mettez mes 400 000. Après, tu vas te retrouver. Retraiter. Avec les ça suffit. Mais c'est pas ça. Amen. L'argent appelle l'argent. Tu payes de travailler, mais tu crées un petit business qui va qui te fournit l'argent. Parce que Frère Bernard m'a prêché, les investissements, c'est tout une brochure. Les investissements, ce n'est pas le travail, mais c'est l'argent que tu investis quelque part pour que ça puisse te produire. Alléluia. Vous n'aurez pas de voiture sur million.
travailles, tu fais les affaires, tu investis quelque part pour que tu aies les bénéfices. Mais ce n'est pas seulement les pauvres. Il doit y avoir les riches qui viendront au secours des pauvres. Dans une église de tout. On doit avoir toute la charité. Les jardiniers, les maçons, les charpentiers, les frères qui ont peu de salaire, qui ont des affaires qui donnent des millions. Et quand ils ont des travaux, ils vont prendre nos pauvres frères maçons. Ils vont les envoyer là pour aller travailler, pour les payer bien. Et les choses marchent bien. Vous voyez ça? Le plus riche du monde ne sont pas les hommes. Mais même à l'époque des gens, Job était pas le plus riche du monde. C'était un homme d'affaires. L'argent est dans les affaires. La vie de la personne n'était pas parce que j'ai l'école. Tu peux avoir un bas plus que 6-5. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas plus trop. Oh, j'ai une civile, je sais quoi là. Mais je peux finir la vie. Amen. Amen. Ok? Parce que vous ne connaissez pas votre vie, vous avez la grâce. Mais, Bradam, nous empêchons les investissements. Même si tu vois des gens, c'est comme ça que ça commence. La Bible dit, si vous êtes fidèles au moindre des choses, vous les laisserez dans les bonnes choses. Les investissements. Il n'a pas de sommes la fête. Madame le Seigneur. Maintenant, qu'a-t-il dans ta main ce soir? Pour nous ce matin, ok? Eh bien, dites-vous, vos frères d'Anan, c'est à peine si j'ai assez de fois pour venir. Amen. Amen. Une fois, un petit garçon qui est venu auprès de Jésus, toutes ces 7000 personnes qui étaient là étaient affamées. Amen. Amen. Le petit garçon avait 5 petits pains et 2 ou 3 petits poissons. Amen. Amen. Ah, et l'histoire là, tout le monde connaît ça. Et l'histoire là, parce que les plus catholiques ont appris ça. Et quand on a dit que nous devons devant l'Église, ça va dire. Hein? Amen. C'est que Père et Dieu, même pas quand nous avons pu s'y jouer sans. Amen. Ok? Il dit, maintenant, prenez le commentaire de Frère Banam. Où tu m'en as? On acclame le Seigneur. C'est le problème pour nous. Il dit, le petit garçon avait 5 petits pains. Il dit, maman, pas quand nous devons devant. Et 2 ou 3 poissons. Ça ne représentait
entre ses mains. 5000 personnes étaient affamées. Il n'a pas foutu de table, il n'a pas tourné dans sa vie. Mais ces garçons n'avaient que 5 pains et 2 ou 3 poissons. Première des choses que tu feras, c'est de penser à la part de Dieu. Je t'assure que tu vas aller voir la gloire. Si vous faites des promesses, il y a beaucoup de problèmes. Regarde ta marche. Tu comprends que tu fais beaucoup de problèmes. Tu n'es pas sérieuse. Amen. Nous avons vu le frère. Écoutez, là, vendeur du pain. Il dit que ça pas. Du pain, il parle, faut dire. Qui a fait les mariages tapage. Où ça l'a comme coué dans mon si le mariage compliqué. Il y a un bon gomming. Mais là, prenez le. Ah, mais dites ça, maman. Il fait un mariage comme quelqu'un qui va à Total. Il y a une obsède à Total. Il y a une salade à Total. Des millions. Un bon gomming. Il vend le pain. Il y a une classe à Tinsa. Avec le pain là. Non, maman, il a. Dès qu'il les voit, il attaque les bénéfices. Il y a la part de Dieu. Il y a et Dieu les a payés. Avec le pain. T'as qu'à la frère, il est il y a tout un secret. Il me dit, prenez la part de Dieu. Mettez là-bas, s'il ne vous paye pas. J'avais dit ça ici. Amen. Payez-moi tout ce que vous voulez. Amen. S'il ne vous paye pas, c'est un défi. Il y a quelqu'un qui me paye. Parce que Dieu tient sa parole. Le ciel a été passé là. Mais ma parole est passée. Il confirme toujours sa parole. Il n'est pas un menteur. Tout est la beauté. On vous sentira et la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et tu entends la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Il est petit garçon. Avec 5 pains. Et 2 petits poissons. Ça ne représentait pas grand chose entre ses mains. Vous voyez? Quand cela était entre les mains du petit garçon. Parce qu'il a le pouvoir de la multiplication. Alléluia. Et ce pouvoir se manifeste quand la chose lui est tournée. Lui a la capacité de multiplier ça. Amen. Amen. Nous a semé un seul arachide. Mais quand ça va se reproduire, il y a un béni. C'est qui a fait ça? Jésus a multiplié. Tu as semé qu'il est grand de bleu. Quand tu as semé, alléluia, tu l'as confié dans la paix. Et après la loi de Dieu, il se chemaille. Quand ça ressort, beaucoup. Donc, quand tu sèmes, quand tu récoltes, tu sèmes, tu récoltes, c'est la loi du Seigneur. Il y a un donné ça à Jésus. Mais on est ici. Alléluia. Quelque chose va se produire. Il dit, mais une fois que cela est arrivé,
Or arrivé dans les mains de Jésus, cela a nourri des milliers. Donc quand ça arrive au prix les mains de Jésus, vous savez que 5 pains, à peu près, combien de personnes peuvent manger ça? On va me dire 5. Baba, tout à l'heure. Mais quand je me fâche là, mon intérieur est rempli avec 5 pains. Mon amour, j'aime pas tant mon monsieur. Quand toi tu te fâches, j'aime 5 pains que vous faites. Amen. Mes journées. Et on va finir. Amen. Mais vous n'avez pas 5 pains. Tu peux pas finir 5 pains. Et vous pouvez. Amenez ça. Un pain, il y a 5 chemins. Il y a 5 pains. 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 Maman, t'as. Maintenant, les 5 pains. Maman, t'as mis. Va nourrir. Que vous dites ça. 5 pains. Ma foule de table, maman. Tu comptes 1. Mais maintenant, sors les 4 du tout. Ça va. C'est Irani. Koudji Irani. C'est Irani. Koudji Irani. Ne sommes pas. Et vous regardez la spéciale des diacres, pasteurs, évangélistes. Mon père, 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 Amen. Amen. Hein? Bien. Pasteur. Mbongi. Nyosu. Tout. Adia. Nongi. On acclame le Seigneur. Seigneur, vous pouvez abattre comme un tas d'argent.
d'arrière, de s'être exalté ou d'arriéré. J'accepte le baptême du Saint-Esprit maintenant même. Cette foi qui vous a mené ici, elle dit que Seigneur, en même temps, ce n'est plus ce qu'il fait. J'accepte le baptême du Saint-Esprit maintenant même. Vous pouvez le recevoir quand la parole est péché. Serait dans la rue, mais tout en train de chanter, vous y me dites la carte.
ce qui est un ancien. Ah, si quelqu'un a cru à ce qui est un ancien, alors le plan de l'Éternel, qui est sa force, lui sera révélé. Il deviendra une révélation manifestée comme la vente en enseignant la parole de Pentecôte. On acclame le Seigneur. Quelque chose doit se réveiller en vous. Il faut que se réveille. Oh, Dieu allume ce feu dans chaque cœur ce matin. Laisse-moi le voir. Observez ce qui arrive. Vous serez dans les rues. Entrez les chanter. J'ai l'ancien évangile. Yantama. J'ai quoi? L'ancien évangile. Pas d'aujourd'hui. L'ancien évangile. Qui a pris Marie? Comment on appelle la sœur de Moïse? C'est Marie, non? Il y a Maria. Miriam. Qui a pris les tamoulets? A pris sa vente dans sa vente. La mer rouge. Cette femme-là. L'esprit est descendu. Elle a pris les tamoulets. Les tamoulets. Comment toi tu dis que je prie? Mais tu ne respectes pas les programmes établis par Dieu. Tu es toujours imponi au programme de Dieu. C'est quel esprit ça? C'est un manque de délivrance. Mais il est tout. Déliez-les. Et laissez-les aller. C'est ce que le Dieu aux apôtres. Alléluia. Alléluia. Alors que Jésus a pris la sang. Sora, que ça va? Que quelque chose est arrivé. Oui, maman, c'est vous, Salama. Alléluia, Amen. Pourquoi est-ce qu'il fait dans ça? C'est toi qui vous tenez à l'autre monde. Dans le doudou, ce qu'on a ce soir, on a Kati, il y a qui soit. Sora, que ça va? Que quelque chose est arrivé. Moi, c'est sur le nom de quoi vous? Si c'est le nom, on a Kaka, on reste la parole. Il y a pas de diable aux amis. Ne dis pas, quand ça va être dit, il y a trop de loin là-bas. On va me signer une vie qui est tout là. Et j'ai un dernier ceci. Tout ce que la parole est. Parce que Dieu a défendu ça. Et c'est pour la détermination. Il n'y a pas de prisonnement. Il n'y a pas de boudage. Mais nous, quand je parle, on se met au garde. La parole a toujours raison. Et moi, j'ai toujours tort. C'est comme ça que nous devons la considérer. Que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge. Mais que la parole de Dieu soit reconnue comme vrai. Et si elle est vraie, elle est vraie. Si votre langue est vraie, 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 si votre la foi en action. Qui mine la cache au salon loyal. Je dois finir. La foi en action. Qui mine la cache au salon loyal. Prêchez les toits. 10e mois 55. La foi en action. Prêchez le toit. 10e mois 55. Le paragraphe 59. Il dit, les serrants de l'Ancien Testament. Ami nous, il y a l'ouaouen et le tabac. Ah!
faire foi. Amen. Les héros. Baminungi. Pas de fatigués. Bah, les héros. Baminungi. Comme des Jephthé, des Jephthéens. Des Meshach, Shadrach, Abednego, de Daniel, d'Ézéchiel. C'est eux qui appellent les héros de l'Ancien Testament. Et que Paul cite dans 1 Hébreux chapitre 11. Allez-y, ici, chapitre à la maison. C'est ça même votre chapitre de la prière dans votre famille. Votre chapitre 11. Les héros de la foi. Que Paul cite. Mais qui n'a pas le temps de citer tous. Il avait pas de rabe. Qui était une prostitueuse. Qui a resté un espion. Qui avait envoyé. Que Jésus avait envoyé dans Jéricho. Il a cru à ce message-là. Et sa maison a été sauvée. Il parle tout ce moment-là. Frère Branham dit que les héros de l'Ancien Testament avaient foi. Amen. Amen. Ils avaient foi. Ils la mettaient en action. Les héros de l'Ancien Testament n'ont pas d'abord être les héros du Nouveau Testament. J'ai même tabernacle fait avoir des héros du Nouveau Testament. Amen. Amen. Les héros de l'Ancien Testament avaient foi. Ils l'aiment la mettre en action. Ils sont vos modèles. Amen. Ils sont vos modèles. Amen. Job est mon modèle. Abraham est mon modèle. Ézéchiel est mon modèle. Zéchéion. Alléluia. Les grands guerriers qui ont combattu les Madians. Samson. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon?
les influences. Il dit que votre fille est influence à l'autre. Il y a des influences. Mais attention, que ta fille, c'est comme si on venait se mettre mieux. Maintenant, combien de fois tes raisons? Ce n'est pas de toi. Comme les zéros de la fois dernière. Et ça me souvient. On a prié sans toi. Les gens étaient là. Avant, tu vas là. Et on a défié les pluies. Amen. Vous souvenez ça? Le soleil était là. Vous n'avez pas là. Le foot existe. Mais ici, c'est les zéros. La foi. Qui mine? Je ne sais pas l'église en l'air. Les gens sont sous le soleil. Ils ont dit écoutez la parole. Les serons de la joie. Des gagnants qui ne voient pas les circonstances. Amen. Et l'élève qui n'est pas intelligent. Ou intelligent. Dès qu'il voit son effet noir. Ah, oh, voilà Dieu. Dieu. Ça va prévoir, je n'ai pas l'école. Tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Vous voulez te fâcher comme la pluie? Parce que tu vas à l'école. Mais tu es heureux. Parce que ça fait noir. Si on regarde, dès que je n'ai pas intelligent. Amen. Amen. C'est la même chose pour l'église. Quand c'est venu noir, t'as dit qu'on dorme. Prends les parapluies. Tu viens là, tu dis que j'arrive même à voir. Ça peut voir là. Voilà, regarde de fois. Amen. Non! Les choses doivent changer. Il me faut que ça change. Amen. Les gens, avant tout, je dois finir. Les gens, avant tout, à l'époque, on va faire quoi dire? Mais là, nous sentons que c'est comme si ça. Ça diminuait. Les formes se rendent. Et nous voulons leur foi à l'ancienne. Des chrétiens à l'ancienne. Pas des chrétiens modernes. Comme je disais, dans l'âge où nous avons la parole partout dans les téléphones. À l'internet, partout la parole, aux citations des frères Branham, les versets bibliques. Mais ce n'est pas pour les gens qui sont encore très instruits. Amen. Amen. On faisait les massolets des réunions. Amen. Les massolets des réunions. Hein? On acclame ça. Serge, tu es là. Où tu es là? Tu es là? Je vais finir avec toi. Mais c'est ma liste. Amen. 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 Il dit. À la zone ça. Il est même dans l'action. La couture est en action sans l'eau. Il s'en va modèle. La foi n'y avait non. Eh bien. Nous avons la foi. Quelle est la qui m'y mais vous ne voulez pas le mettre. Mais nous sommes tous là, on a qu'à changer.
Soyez portés au loin par la puissance du Saint-Esprit. Mettez votre foi en action. Pour moi, je la vois. Quel espoir la vois. Quel Mardoché la vois. Quel Assez assis la vois. Mais je vois la voix. Que tout le monde voit votre foi. Parce que vos œuvres sont l'expression de Dieu. Amen. Je suis chrétien. Tes œuvres parlent de force et tes parents. Shalom. Que Dieu vous compte. Retenez toujours ça. Parce que Dieu fait que ses enfants retiennent la parole dans leur cœur et la vivent tous les jours de leur vie. Je ne veux pas que vous on parle seulement, pas seulement, et vous écoutez, c'est comme vous confrontez. Non. Je veux que ça rentre et que ça vous produise la foi. C'est comme ça. Les gens qui écoutent depuis longtemps, ça produit la foi. Je l'écoute maintenant, ça te produit la foi. Je suis Dieu et je ne change rien. Amen. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est le croix que tu m'as racheté. Oh ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est le croix que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin sauveur. C'est ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est le que tu m'as racheté. Oh ma vie de confiance, en toi divin sauveur. Je vis dans l'espérance que je marche sans.
enfants. Il est Dieu. T'as mis un mot dans ton cœur là-bas. J'ai entendu la voix de Dieu. Il a choisi l'homme pour parler aux autres. T'as parlé ce matin. Ça a le temps pour toi de pouvoir le parler ce soir. Et ta première à lui ce matin. La monte ton cœur à lui ce matin. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dieu t'a parlé, il t'a suscité un mot dans ton cœur. Ne peux-tu pas le recevoir aujourd'hui? Recevoir Jésus-Christ qui est mort pour toi aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Parce que le lendemain n'est pas l'apanage des hommes. Mère de Dieu, tu ne connais pas ta destinée. Tu as entendu la parole aujourd'hui. La minute que tous ceux qui croient furent baptisés. Tu pourrais accepter le Seigneur aujourd'hui. Et accepter le ciel aujourd'hui. Tu peux sauver ton âme aujourd'hui. Et ne dis pas que c'est brusque. C'est la grâce de Dieu. Reçois aujourd'hui, mon frère, ma soeur. J'ai écouté la parole. Et que tu as senti que Dieu t'a parlé dans ton cœur là-bas. Élève ta main. Pour montrer que tu reçois aujourd'hui. Yes, c'est la gagner. Un enfer à éviter. Élève ta main gauche dans le ciel. Pour défier la loi de la pesanteur. En croyant qu'il y a un Dieu là-bas. Qui exauce la prière de tes serviteurs.
que tu acceptes. Accepte Jésus. Il est venu mourir pour toi. Il n'est pas venu sans fin. Il est venu pour toi mourir à la croix, mieux à la croix. Il a crié, tout est accompli. Notre rédempteur, il est mort pour tes péchés. Accepte-nous ce matin afin que toutes les péchés que tu as faites puissent être pardonnés ce matin. Il verra ta mère qui exprimera un message disant mais voici Seigneur. N'aie pas honte de ton frère qui t'a mené. N'aie pas honte de ta soeur. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Ne regarde pas celui qui a voulu toi. Mais entends la voix qui n'est pas dans ton cœur. Qui t'appelle? C'est la voix de Jésus Christ. Qui te dit, oh, viens à moi, mon enfant. Le monde est parti. Le monde est à sa fin. Et à côté, la mort nous guette. L'heure est arrivée pour nous recevoir. Lève ta main gauche. N'aie pas honte, mon frère. L'esprit insiste encore. N'aie pas honte, ma soeur. Si tu as plus de 7 ans, tu as là de la raison. Tout ce que tu fais, tu es annoté. Mais tu dois arriver à un moment où tu n'as pas l'engagement pour que tout ce que tu as fait depuis là de 7 ans soit effacé dans ta vie. Et sera je vais m'amener pour toi. Le Dieu qui oublie tes péchés. Recevez ce soir. La Bible dit que Dieu a créé le monde. Pour les allumer son fils unique. Afin qu'il comprenne le nom de ce point. Mais qu'il y ait la vie éternelle. Et Jean a crié. Voici l'aide de Dieu. Qui ôte les péchés du monde. Il va ôter tes péchés quand tu acceptes. Il pardonnera tes péchés. Tout ce que tu as fait. Et plus que tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait mal. Le vol, tout ce que tu as fait. Va être pardonné ce matin. Il va te recevoir ce matin. Celui qui hésite encore là-bas. Voilà celle qui hésite encore. Lui n'a pas hésité de t'envoyer sur la terre. Il n'a pas aussi hésité. Il t'a envoyé ici ce matin. Alors pourquoi toi tu hésites de le recevoir ce matin? Il t'appelle. Je t'appelle. Ma voix du Seigneur m'appelle. Je suis à toi. Amen, Seigneur. Abadie, Seigneur, appelle. Quand ta croix devient finale, je réponds, sauveur fidèle. Mais voici, je suis à toi.
Tu te souviens de ça, parce que tout ce que tu as dit, pardonne-moi ceci, Répare-toi, ouvre ton cœur. Et Seigneur, pardonne-moi voici. Et je prierai pour le baptême de cet esprit de femme. Et qui nous baptise ce matin. Prie le Seigneur là de chanter pour chanter. Et voici, Jésus à toi, jusqu'au bout, je vais te suivre. Voici les arbres que tu as touchés pour venir à toi de recevoir aujourd'hui, Seigneur. Sachant que tu es l'Esprit, tu es le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous recevoir aujourd'hui, Père éternel. Je prie que le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, qui est la puissance vivante, qui amène l'homme à vivre la parole écrite et prononcée, Père éternel, puisse entrer dans chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Le règne à l'intérieur, Seigneur de gloire, pour que cela puisse produire la foi, le zèle, oh, le respect pour ta parole, parce qu'elle est écrite, elle, lui vous conduira toujours la parole. Oh, Dieu, la puissance de Dieu dans leur cœur, ce que les apôtres ont reçu, ce que l'homme a reçu, ce que j'ai reçu, Père, que je puisse le recevoir aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, gloire en tout est que telle, qu'elle est culte au roi des gloires différents des têtes qui s'étaient approchées, Seigneur, gloire. Car il est écrit
de la vie commence à l'autel, Père éternel. Oh Dieu, ils ont confessé qu'ils ont eu tort. Qu'ils ont marché contrairement à ta parole. Qu'ils vont pour le monde et toutes choses, Seigneur. Ils sont repentis. Alors répands le baptême du Saint-Esprit, une onction dans leur cœur, maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ. Et que ce soit des hommes et des femmes remplis de foi et de zèle pour toi. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Sois béni et magnifié à jamais. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après la réunion, donc on ne peut pas remettre au lendemain. C'est ce qu'on peut faire maintenant. Chez nous, dans la parole, on ne fait pas les catéchismes. C'est quand la personne a cru, il peut prendre son baptême. Donc on aurait un moment qu'on va rester ici. Si quelqu'un sent que il va vraiment prendre son baptême aujourd'hui, il va avoir accueilli le Seigneur parce qu'il est écrit, ceux qui crient fureur, si la maison n'est pas encore, n'est pas loin, allez prendre les âmes de l'échange, de venir, on va t'attendre ici. À toi de nous faire signe pour qu'on t'attende et qu'on aille te baptiser. À l'image de la mort du Seigneur, dans les eaux des baptêmes, l'eau symbolise la tempe, on déplanche des dents, l'eau te voile, c'est-à-dire que tu es tempéré, tu ressors, c'est la forme de résurrection, le marché en nouveauté de vie. Cette temps-là, tu as accepté ton pardon. Que Jésus a accompli à la croix pour toi. C'est là que la marche commence. Amen. Que Dieu bénisse. Donc, il y a deux frères qui vont se faire baptiser. Qui sont annoncés. À cela, pourra aussi ajouter les autres. Laisse le temps de repartir à la maison et puis de revenir vite. Que nous allons au show. Aux yeux des baptêmes. Amen. Amen. C'est seulement les officiers, on va trouver les marmières, les robes, les pantalons. On va prendre un peu à ma soeur, la maison, de façon. Les robes, les 400, 500, on va acheter ça pour les vises. Il faut me rappeler, ma frère Jérôme. Vous connaissez ça, nous, on va mettre en avait. Quand quelqu'un vient, on est qu'il ne veut pas être à la maison. Les robes sont là. Les habits sont là. Il va prendre son baptême avec ses habits. Il porte ça et puis il peut se réchanger. Il est pas chez lui. Donc il faut qu'on puisse acheter ça. Pour toutes ces dispositions-là, parce que pendant le tabernacle, il y en avait. C'est ça qui peut aussi se faire signer. Quelque chose va de pair avec le temps. Mais pas une fois qu'on peut passer, on pensera à ça pour que les gens. Les gens peuvent se baptiser sans répartir. Parce que les gens peut-être qu'ils vont venir de Pekou. Le matin, au CH. Il arrive d'être touché par la parole. On va venir de repartir. Ok?
Les amis sont là. Il prend son baptême. Amen. Il ne repart plus à la messe. Merci beaucoup. On pensera à ça. Oh, prends mon âme. Tu peux d'abord arrêter. Je vais te faire un petit peu de temps.